pour être le plus pur possible dans la thématique de comment il a inventé. Bon, moi j'ai pas sorti un jeu neuf, ouvrir, parce que vous avez compris qu'à chaque fois ça coûte un bras, donc. Mais bon, je l'ai mis, j'ai juste mis un jeu dans l'ordre, voilà. Mais l'idée est la suivante, je vais juste avoir besoin de deux séries de cartes, juste ça, et d'un spectateur qui va m'aider. Alors pourquoi je dis juste ça? Parce que dans un jeu neuf, qui est normalement cellophané, on a les cartes, entre guillemets, pas notice, mais garanties, les cartes publicitaires, on a les deux jokers que je vais enlever, et on a les séries de cartes, qui sont dans l'ordre de là, mais bon, ça on s'en fout, ben, les cœurs, les carreaux et les trèfles. D'ailleurs, je vais enlever ça aussi. Et l'idée est la suivante, moi je vais avoir besoin juste de deux séries. Alors d'ailleurs, je vais prendre pour moi d'ailleurs, peu importe, des cartes à pique jusqu'à 10, je sais pas si tu vois bien. Voilà. Donc vraiment dans l'ordre, il n'y a pas de mélange, pas de truc en plus, ici. Et je vais faire, tiens Damien, je vais pour toi prendre la série à cœur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, que je vais mettre ici. Bien. Alors regarde bien que je ne triche pas, d'accord? Que je ne fasse pas de quelconque manipulation, ok? Tout le monde peut constater, ok? Et tout ça, ici, ok? Et je vais te demander, Damien, donc tu as la même série. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord? Donc on est exactement dans la même configuration pour le moment. Et je vais demander de venir, s'il te plaît, avec moi et de mélanger ces cartes. Alors, tu vas les mélanger face en bas. Alors, je vais mettre ça ici, de façon à ce qu'on ne puisse pas connaître, entre guillemets, l'ordre des cartes dessous, parce qu'autrement, ça peut influencer, entre guillemets, ton choix. Et comment? J'ai ta photo de toi, le faire dans 20 ans. Ok, c'est bon, ouais, c'est bon. Est-ce que ça te convient ou pas? Ouais. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est... reste avec moi. Ce que je vais te demander, c'est que je vais éventailler ta série de cartes à cœur. Ouais. Tu vas me dire stop sur une carte. Ok. Donc tu comptes avec moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord. Je vais les laisser là. Je ne change pas l'ordre que tu as fait. D'accord. Trop grand, il n'y aurait aucun intérêt. Ok. Et je vais te demander. Alors je vais les positionner. Même comme ça d'ailleurs, on s'en fout. Ouais, comme ça, tu connais pas toi l'ordre des cartes, d'accord? Je ne change pas l'ordre des cartes. Voilà. Normalement, je demande à Ali de faire un éventail, c'est plus simple. Et donc, toi, tu ne connais pas l'ordre des cartes, ni, enfin, moi, je n'aurais pu les connaître, on va dire, mais je ne les ai pas toutes retenues. Je vais défiler comme ça mon doigt sur l'éventail, je dis bien. Et quand tu veux, tu me diras stop, ok? Stop. Avant que j'arrive à la fin. Tu comprends l'idée? Oh, okay. Ouais. Ah oui. Stop. Ouais. Ouais. Tu aurais pu me dire beaucoup plus loin ou beaucoup plus près. Je ne sais pas ce que c'est. Le 4 de cœur. On va laisser... Belle carte, c'est ma carte préférée. On va laisser cette carte comme ça à l'envers, à l'emplacement d'où elle était. Ok. Et tout ça, on va le poser là. Tiens, tu peux aller à ta place, c'est gentil. Merci. Et ce qui est étonnant, c'est que la magie va opérer. Comment elle va opérer? C'est qu'on est... Je suis capable de faire... Alors, le tour s'appelle sympathétique. Et si on fait la traduction en anglais... Sympathétique. Sympathétique. Pourquoi? Parce que c'est un tour super sympathétique. Non, sympathique. On n'est absolument pas du tout dans le même ordre. Et pourtant... C'est assez étonnant. Avec un petit peu de magie, si on passe une fois comme ça, et deux fois comme ça, on est capable instantanément d'avoir exactement, alors que c'est toi qui as mélangé, la même carte au même endroit. Enfin, du moins, une coïncidence. Bon. Voilà, tu pourrais dire, oui, bon, ça va. Peut-être que c'est moi qui ai déplacé les cartes sur la première. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que si on va jusqu'au bout, on a le 5, on a le 5, on a le 8 et le 8... On a l'as de pique et l'as de cœur. On a le 10 de pique et le 10 de cœur. On va aller ça jusqu'au bout, jusqu'au bout. Le 9 de pique et le 9 de cœur. Le 3 de pique et le 3 de cœur. Et à un emplacement bien spécifique, on a deux cartes qui sont face en bas. Enfin, du moins face retournée. Et ce qui est fou, c'est que c'est aussi les mêmes. Et on peut aller jusqu'au bout. Et on a exactement la même. Très joli. Bravo. Bizarre quand même.
Oui. Avec un seul jeu. Putain, c'est là. Ouais, un seul jeu. Bah, j'ai qu'un seul jeu là. Bah, oui. Ouais, Lali, j'ai qu'un seul jeu quand même. 52 cartes. Après, ouais. Ah oui, 52 cartes. Non, 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 ah, non, non. Ce sont de vraies cartes Phoenix, ce ne sont pas des cartes fines. 52 cartes.